Zami Mio, comment nous y est? Gros salutations pour nous toutes. C'est un plaisir pour Score Exact d'entrer la KO pour l'informer de tout ce qui a passé dans Mercato et ce qui a passé dans le football et tout sport en général. Nous avons en pile d'informations, nous allons partager ensemble avec vous aujourd'hui. Nous allons faire un tour d'horizon de Mercato qui commence officiellement samedi qui était 10 juin. Mais avant de faire ça, nous avons été branchés, nous avons tourné tout à l'heure après un coup de pause. C'est pas jodi on m'a cherché un côté qui bail service real estate non? Un côté qui vend caille tout côté dans Floride. Oh, ou même moi décrochendo, ou pas attendre parler de Suncoast Realty, tout service ou mandé ou là, c'est là ou venir oui. Qui adresse s'il vous plaît? Li sous 1923 North 1064 Street, North Miami Beach, Floride 33162. Téléphone dans c'est 305-332-5295. Relez sur WhatsApp ou bien texte seulement. Petit gien en Saint-Domingue tout, c'est même service là. Ya, li relez Suncoast Multi Service. Là dans nous ka faire réservation hôtel, billet d'avion pour planifier voyage dans le monde entier. Nous organisons excursion, nous fait passeport, nous met visa, des services mon cash avec Prestamos. Nous fait extrait d'archives et même légaliser documents. Oh, trop bagaille. Bon m'adresse ça pour mal met visa. Li sous 40 Kay président de Vasquez Santo Domingo Este. Téléphone là c'est 829-593-8734. Ah, bon pour Altea. Qu'on y a mouek. Nous tournons après pause là et son plaisir pour nous informer et me profiter saluer chaque grand monde qui a regardé me capteur là et me dire dédier émission ça à tous amis nous qui curaso ou même qui tombé sur vidéo ça pour la première fois nous vous merci et n'a pas invité à abonner activer cloche notification pour pas jamais rater une vidéo nous avant nous partager information à l'étranger ensemble avec vous n'a font tirer pas bola caillon pour nous parler de Gold Cup nous tout connaît que Haïti apprend pas dans Gold Cup là qu'a fait à partir de 24 juin et le 25 juin Haïti a entré dans bataille face au Qatar et Haïti a préparé Gold Cup li très bien dans Floride. Nous gagnons un pile joueur qui commence à débarquer et entraîneur Caldeon li commence content parce que au fur et à mesure joueur a vinn. Nous te communiqué ou déjà en pré-liste et avant Gold Cup là n'a bon liste définitive que Haïti a gagné pour le capable compter sous joueur sa yo et n'a ba ou yo soupe. Haïti te gon match amical, il te gagne pour le jouer face à Inter de Miami. Nous connaît Inter de Miami c'est nouveau club Léo Messi pour une raison que nous poko connaît match ça li pas jouer encore mais Haïti bral jouer kounya avec Saint-Kitts et n'a porté résultat match ça pour après mais n'a dit que préparation n'a préparé nous d'emblée et m'espérer que nous fait un très belle Gold Cup et n'a voyé toute bonne énergie que nous gagnons avec sélection haïtienne qui va représenter nous valablement. Nous allons à l'étranger pour nous parler aux deux Tessegen. Tessegen, lui élu meilleur joueur Liga. C'est pas meilleur gardien FC Barcelone, mais c'est meilleur joueur Liga. Et monsieur gagne plus bon pourcentage que tout gardien européen. Yo, et soit un pourcentage de 95% arrêt. C'est pourcentage ça que Tessegen gagne sous scène européenne. Tessegen, lui fait 26 clean sheets en 28 rencontres. Lui prend 18 goals dans la Liga et lui fait 1225 passes dans la Liga. Et sous 20 tirs que lui subit, lui kembe 19 pour montrer que Tessegen, lui c'est un pigou artisan, sac FC Barcelone, qui champion dans la Liga pour saison 2022-2023. Et bravo à Tessegen. Erling Haaland également c'est lui-même qui élu meilleur joueur première ligue là. Et Erling Haaland pour valeur goal que Norvégien fait, il est tout simplement sur soulier d'or européen, bon, c'est son bel titre individuel que Erling Haaland va mettre dans à moi à trophée qui commence à grandir depuis le lit dans Manchester City et bravo à Erling Haaland pour titre ça que l'on prend pour la première fois. Luis Campos, qui c'est directeur sportif Paris Saint-Germain. Les gars en pile tête sagée là, parce que nouvelle l'a fait tomber, que Mbappé n'a pas décidé de lever option d'achat. En janvier 2024, Mbappé a capable de signer avec club qui n'a l'idée pour montrer que Mbappé n'a pas continué l'aventure là avec Paris Saint-Germain. Il voulait libre pour qu'il prenne une décision que livre. Mais c'est pour qu'on bagaille dans ça, parce que y a un an devant, il a choisi un autre joueur qui n'a pas dans Trump Mbappé, mais quand même, faut compenser vite que Mbappé va le quitter. Mais Luis Campos lui-même, lui voulait rentrer d'emblée dans Mercato qui commence depuis samedi, lui va proposer à Manchester City, Donnarumma,
Marco Verratti plus l'argent pour le cap gagner service Bernardo Silva. Qu'on y a, c'est Manchester City qui connaît s'il a séduit à Offsa. Plus précisément, Guardiola, c'est lui-même qui est directeur sportif club là. Et Guardiola, t'es toujours aimé Marco Verratti. L'alter entraîneur FC Barcelone, il t'a toujours souhaité que Marco vini dans FC Barcelone. Je pense avec nous, Marco Verratti qui inclut dans clause ça, il doit réfléchir à deux fois avant de prendre une décision. Et c'est affaire à suivre, Napton pour nous, qui ça cap sorti dans l'accord ça que Luis Campos proposait Paris Saint-Germain. Dirigeant napolitain yo enquête pour rejoindre l'autre entraîneur. Spalletti était quitté Naples depuis le Naples fin champion en Italie et raison que le bail était tellement aimé Naples, il pas senti le cas continuer la prend une année sabbatique pour capable reposer parce que il était vraiment dans pile fatigue en pile mental pour te gérer championnat et Naples était d'accord avec démission Spalletti et Naples besoin un autre entraîneur. L'épiste Christophe Galtier. Christophe Galtier, c'est un ancien entraîneur Paris Saint-Germain, mais il a demandé aux Imens qui ça le pensait de Christophe Galtier. Aux Imens qui connaît Christophe Galtier très bien parce que c'est lui-même qui t'a entraîné aux Imens là, aux Imens dans Lille et aux Imens dit dirigeant napolitain que Christophe Galtier pas à la hauteur. C'est une réponse qui est vraiment dure mais Christophe que mais aux Imens n'est plus bien placé parce que nous pour connaître Christophe Galtier et me penser n'a ça avantageant fait retourner sous décision et penser avec l'autre monde parce que Osimhen on va pas prendre décision sans lui, c'est lui même qui met équipe là et Osimhen dit que monsieur pas à la hauteur, on pense son piste cap tout craser la net. FC Barcelone qui besoin un défenseur central. FC Barcelone l'acheter un crack sénégalais là. Non monsieur, c'est Mikhail Faye, l'a joué dans deuxième division dans pays Croatie. Monsieur tellement fort, il est surnommé au monstre. Même non avec Thiago Silva, les Thiago Silva qui fait paraître sur scène européenne. C'est un joueur qui est vraiment fort et c'est combativité physique qui séduit Alemani, qui est directeur sportif FC Barcelone, qui fait que il acheté joueur ça et il est tellement en forme. C'est un joueur qui a un petit âge, qui a seulement 19 ans et la petite FC Barcelone et c'est une recrue que FC Barcelone fait déjà pour Mercato ça et n'a prétendu qui ça joue ça bral poté pour FC Barcelone. Cancelo li éloigné de plus en plus de FC Barcelone. Nous connaissons joueur Manchester City que lié, Manchester City prêté à Bayern et Manchester City réclamait 70 millions que Bayern trouvait que le trop cher, li pap ka achetel. Arsenal lui-même li bay 30 millions et FC Barcelone retire quoi, FC Barcelone nous connaissons un club qui toujours plein pour quoi, il pas gain comme, li pap ka achetel joueur, ils font quitter ça, li quitter Arsenal goumen parce que lui-même li retire quoi n'a fait contre ses lois, mais son joueur pensait qu'il t'a utile FC Barcelone, mais si on dit ou pas gain l'argent, ou pas ka forcer yo acheter. Et Cancelo, nous ne doit pas well dans FC Barcelone pour saison ça. Barcelone qui vraiment présent sur marché transfert, li gagné un attaquant au Brésil que l'acheter. Attaquant ça li rele Victor Roque, l'a joué dans Paranaense, son club de première division au Brésil, li gagné 18 ans. Et monsieur dans 25 matchs, li gagné fait 10 goals. Ratio a gagné pas en pile, mais vu l'âge, c'est quand même son bel ratio que le gagne. Et FC Barcelone est en métier. Mais sous joueur ça, il voulait imiter Real Madrid qui a cherché le Brésilien bien loin, vina avec en Europe pour être capable d'aider Real Madrid. Et c'est ça que FC Barcelone a fait à Nisa. Et bravo à FC Barcelone. Il n'a pas révélé combien de copes qui a acheté Roque, mais ça qui est sûr, c'est que Roque li a disponible pour Xavi pour saison 2023-2024 là. En plus, on a posé une question qui côté Neymar bral. Neymar li a vacillé, il peut qu'on dire que son fixe, mais Arabie Saoudite qui échoué avec Léo Messi, son club qui est Al Hilal, c'est lui-même qui échoué avec Léo Messi, li proposé Neymar 200 millions l'an. Clan Neymar là pour qu'on réponde à Offsa, mais Neymar a plus chance pour quitter Paris Saint-Germain. Parce que Qatar en pole position pour l'acheter Manchester United. Et depuis l'acheter Manchester United, Neymar a juste inclus dans le contrat.
et ça fait Neymar il doit pourquoi prendre décision pour le temps courir aller au Qatar et moi c'est Neymar était un bon 2-3 ans déjà encore en Europe et Neymar pourquoi voulait prendre décision mais Qatar lui offre Neymar 200 millions d'euros n'a prêté tant pour nous qui ça a bail jodi en Italie football là prend un gros coup pays et apprend un gros coup et ville milanaise li prend un gros coup parce que Silvio Berlusconi li mouri jodi an à l'âge de 86 ans. Monsieur c'est un poids lourd lié dans football italien. Li passé plus de 30 ans à diriger Milan et sous li Milan prend 5 Ligue des Champions et il prend 29 titres au total. C'est ça que Silvio Berlusconi représenté pour Milan. Lycée actuel président Monza. Monza, côté que te dit joueur, depuis nous battre gros équipe de tête, yo m'a ba nou un camion rempli forme. Et Monza, li te fait honneur, ça, Silvio te dit, li pas descend dans deuxième division. Monza, rete là, dans première division. Et m'pense son gros coup que football italien prend l'aile perdu, Silvio. Li pas seulement président Milan, il était premier ministre en Italie tout pour montrer que ni politique, ni sport, tous les deux prend coup et nous saluer mémoire. Moi, grand homme ça qui t'est passé dans le football européen et n'a progresse Berlusconi pour déboiler. J'en te comprenne bagaille, j'en te remis pour plaisir. Moi, ça 86 ans, monsieur Jules Lavigne et son cancer que t'es gagné, leucémie que t'es fait, c'est ça qui tuait monsieur. A. Et Italie a crié grand homme ça et grand pile hommage qui baille jodi en l'honneur de Silvio. Vinicius, dans un premier temps, il était rejeté numéro 7 là parce que famille te dit le nom. Peut-être qu'il ça parce que ouais depuis l'air Cristiano Ronaldo quitté équipe là, numéro 7 yo pas fait long feu. Mais Vinicius finalement l'accepter prendre numéro 7 là après un pile rencontre que fait avec lui parce que Florentino Pérez dit c'est eux-mêmes qui mettent équipe. Leur numéro 7 ou représenter en pile bagaille dans l'équipe là, leur prend Cristiano, leur prend Raoul, Beckham, tout le monde sa ote pote bel numéro ça. Et je pense que Vinicius li accepte li prend numéro 1 et Rodrigo c'est numéro 11 que la pote et nous espérons que tout mauvais bagaille qui accompagne numéro ça arrête côté Oria pour nous capables ouais un bel Vinicius, puis bel toujours. Et désormais c'est avec numéro 7 que nous avons Vinicius. Kaya Havertz li kapab signer nan Real Madrid. Et Real Madrid bral propose un bel kobla à Chelsea. Yo poko di nou montan l'argent, mais yo bral propose un bel kob et Chelsea li même li vle un pile kob pou jouer là. Nou konnen Florentino Pérez pa un problème l'argent. Li bral propose un somme adéquate et Chelsea li même li bral analyser somme ça pour wè est-ce que oui ou non la quitter Kaya Havertz aller. Et Kaya Havertz c'était youn nan moun ki te fait green goal ki te bay Chelsea Ligue des Champions face à Manchester City. Nou chanse comment ça t'est passé et Kaya Havertz là, li capable de débarquer en Espagne. Bayern Munich li dispose 100 millions d'euros pour le capable acheter un buteur. Un buteur pour le capable faire oublier Lewandowski. Moi c'est que Bayern prend ça pour date Lewandowski quitter équipe ça, c'est qu'on y a li vinn wè que perte Lewandowski a faut qu'il comble. Et li gagne 100 millions pour l'acheter moun ça. Pour 100 millions ça li pisser deux joueurs. C'est Colomwani avec Osimhen. Mais deuxième nom, la montée est difficile pour prendre parce que Napoli même est 150 millions demandés pour jouer par là. Colomwani, il y a plus de chance pour l'aller parce que Colomwani compte championnat allemand déjà. Et Colomwani, il est plus proche en Allemagne, il a juste comme si formulé en off pour ouais, comment ça à pied. Et je pense que là, bon pour Colomwani, l'année est à fond de là. Je pense que vous manquez pas ouais jouer. Ils sont bons joueurs, ils sont belles joueurs, on joue que m'aimer. Et je pense que si là, dans Bayern, n'a pas joué à pied bien. Mais espérer que Colomwani et club là accepté off que Bayern bral fait à Eintracht Francfort pour nous capables ouais, belle Colomwani, ça que m'a parlé pour nous. FC Barcelone, libral, mandé 40 millions pour Ferran Torres et avec comme ça pour le capable acheter Carrasco pour 16 millions. Et moun qui est disposé pour bailler comme ça, c'est Newcastle. Newcastle qui a fait équipe parce que li qualifié pour Ligue des Champions, li envie renforcer équipe lien. Nous songe que non Messi t'es dans tablette li et Messi allait dans l'Inter de Miami et
Ferran Torres, je pense que Ligue n'est pas bon avec Barcelone, ou que nous avons bon avec Newcastle, nous avons prêté pour nous comment transfert ça a déroulé. Avant nous aller, nous avons 11 UEFA Pro pour la saison 2022-2023. C'est joueur ça que UEFA choisi et nous allons communiquer ou non jouer ça. UEFA campé équipe 4-3-3, derrière c'est Thibaut Courtois. En encore c'est Thibaut Courtois et derrière nous gagne Walker, Ruben Dias, Bastoni et puis Di Marco. Moi j'ai un petit problème avec Walker qui est le bail là. De 8e de finale à finale, c'est 2 matchs seulement que Walker joue, c'est 2 matchs Real Madrid. Dans finale là, c'est juste dans fin match là que était monté. On pensait que on est que les Dumfries, il fait une plus belle saison que Di Marco, que Kyle Walker, il était supposé mettre dans place Walker. Par contre, c'est parce que le champion, parce que me trompe toujours dit depuis ces bagages mon abay moi même score exact pas tellement trop été beaucoup tel moi pense que Kyle Walker pour moi il pas gagne place li dans 11 ça dans mitan terrain yo bay Rodri qui méritait Stone De Bruyne bravo et devant yo ba nou Vinicius Erling Haaland et puis Bernardo Silva moi pense que tout monde dans place dans 11 là mais pour moi Kyle Walker il détonné 11 ça ça c'est avis pam ça c'est moi qui parle. Hier, tu as gagné finale Grand Chelem nan qui c'est Roland Garros côté monsieur yo. C'est Djokovic qui remporte finale ça côté l'Albat 3-0. Woods Gasper qui sont malheureux, ça fait 3e finale Grand Chelem que le perdu et li batti 3-0, 7-6 tiebreak, 6-3, 7-5 tiebreak. Djokovic li seul au monde, li c'est seul joueur là nan monsieur yo qui gagne 23 Grand Chelem. Rafael Nadal te gagne 20 Grand Chelem, monsieur ça à peine li te gagne 10 ou 12. Ça veut dire bala te tellement haut, gen moun ki pat même espérer que le te quand même joine Federer voire pour le ta dépasser. Konya classement c'est comme ça lié, nous gagne Djokovic gagne 23, Nadal gagne 22 et Federer li gagne 20. Djokovic li gagne rendez-vous à l'histoire. Pour li capable vin joindre Margaret Court parce que c'est femme ça qui gagne plus grand chelem dans histoire tennis elle gagne 24 et nous connaissons Serena Williams c'est goumé en pile pour être capable rejoindre Margaret li camper à 23 et la Djokovic li gagne rendez-vous à l'histoire pour capable joindre Margaret et même devant elle et ça a prêté pour nous comment ça a fini parce que pour année ça gagne grand chelem cap jeu toujours et bravo à Djokovic maintenant c'est lui même qui numéro 1 mondial. Dans basketball NBA, à soir à 8h30, c'est 5e game nan, côté que tout bagay gen doit finir jodi an, ou bien Miami gen doit faire bagay lontijan prolonger s'il bat après-midi. Mais si Denver bat, Denver ap champion pour la première fois dans l'histoire depuis qu'elle existe, le pot ko jam champion NBA et mwense son titre cap amplement mérité et Denver ap la kaili et demain nous baldou tout ça qui passe dans bel match ça et que nous invite au gade. C'est toute information ça que score exact c'est pour te pour. Moi t'es content ensemble avec vous. Moi remet nous en pile non pas me Mirland. Restez zen, la paix sur vous. Bye bye tout le monde. À très bientôt.